Je voudrais m'adresser à tous mes enfants. Je voudrais emprunter une métaphore. Quand le ciel s'assombrit, vous savez que la pluie va tomber. Mais toujours, cette métaphore n'est pas juste. Mais la pluie va toujours tomber. C'est comme la météo. Car la météo dit, il va prévoir. Parfois, il ne pleut pas. Le jour que la météo a dit, mais la pluie va tomber. Je voudrais m'adresser à une catégorie de mes enfants qui sont dans un pays où dans quelques mois des choses vont être difficiles. En qualité de prophète, c'est normal que je vous informe, mais je vois que nous les Africains, on oublie vite. Parce que on vous a demandé de vous préparer. Cela ne s'est pas passé. Non. Vous êtes prêts. Et je vous assure. Ce message est pour vous. Vous savez que c'est vous que je parle. Soyez prêts. Parce que dans les prochains mois, je vois une évasion des réfugiés envahir certains pays frontaliers à ce pays. Parce que la vie va être difficile. Les morts vont être comptés chaque jour. J'espère ce qui se passera dans ces deux pays, parce que c'est des pays seuls, quand un va commencer, un va terminer, va mettre la lumière chez les autres. Ce message, je vous donne ce message, parce que le grand est sacré à Doshem. My glorious Abba, my King, tell me, il m'a dit de vous dire que quand les sages sentent que l'atmosphère est fraîche, c'est la pluie, c'est que la pluie n'est pas loin. Alors, je vous dis, je sens la chaleur dans ce pays-là. Et le feu n'est pas loin. Prenez vos responsabilités. Sinon, vous direz, mais il est prophète, pourquoi il ne nous a pas avisés? Nos dirigeants sont têtus. Ils ne croient rien, sauf aux ténèbres. Je dis bien, il ne croit rien, sauf aux ténèbres. Pourquoi voulez-vous qu'il croie? Un petit prophète comme moi, selon eux. Pourquoi? Ils ont raison. Mais moi aussi, j'ai raison. Ma raison vient de doucement. Ma raison vient authentifier mon Hachem. Ma raison vient montrer que le Dieu est un sacré Hachem. Parle toujours. Toujours. Donc, soyez prêts. Mes enfants, soyez prêts.
cansage sa la fraîcheur dans sa peau lorsqu'il est dehors. Il sait qu'il faut qu'il rentre, passer la pluie. Va tomber. Quand un prophète sent la chaleur la nuit, il sait que le feu de l'action n'est pas loin. Et le feu là n'est pas loin à tort. N'est pas loin à tort. Regardez mes prophéties, lisez-les. Je vous ai donné beaucoup de signes à l'intérieur. Et bientôt, je ne veux pas donner un déboire, mais je vous dis, le feu est en train de s'allumer. Yeah. Soyez prêts. Un homme averti en vaut deux. Mais vous dites pas, je vais voir. Parce que ces conseils-là vont te conseiller dans l'au-delà. Ces conseils vont te conseiller dans l'au-delà. Non, ça là, on ne blague pas. Je m'en prends tes précautions. Je devais te prendre tes précautions. Parce que le futur, c'est un mystère. Hier, c'est une histoire. Et aujourd'hui, c'est un temps de conscience. Merci.